C'est le grand retour d'une série initiée sur les débuts de la chaîne intitulée « J'ai entendu dire que ». Cette suite de vidéos a pour but de casser des idées reçues dans le domaine de l'entraînement. Aujourd'hui, nous discutons des fameux premiers résultats visibles en musculation. C'est parti! Il n'est pas rare d'avoir des retours de pratiquants en musculation ravis de leurs premiers résultats visibles. En effet, après seulement quelques semaines, on constate déjà un gain en volume musculaire. Pour autant, ce ne sont pas nos muscles qui se sont développés de façon très rapide. Durant les premières semaines d'un programme en musculation, et notamment un programme qui vise l'hypertrophie musculaire, on dénote une accumulation de fluides extracellulaires. En clair, on peut comparer ça à une adaptation inflammatoire, comme une sorte de gros bleu qui ferait gonfler une zone lésée à la suite d'efforts répétés. En réalité, je n'ai pas fait grossir mes fibres musculaires, mais mes muscles semblent visuellement plus gros. Et malheureusement, cette adaptation disparaîtra également très rapidement après l'arrêt de la pratique. Ces résultats nous apportent une grande idée à garder en tête. De façon positive, ce phénomène pourrait être un facteur important de motivation pour notre pratiquant. Très vite, je vois des résultats. Cependant, il ne faudra pas brûler les étapes, car les modifications structurelles demandent plus de temps. Nous en reparlerons bientôt. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce format court pourra vous être utile. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !